entre l'homme et la femme, qui est le plus résistant? Résistant comment? De la drague à l'enceintement, c'est l'homme qui souffre. Ah non, on ne fait pas les choses. Dans votre sport des blancs que vous aimez souvent dire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Relous 237. Avant de commencer cette vidéo, dédicace aux deux premiers commentaires de la dernière vidéo. Pour ceux qui nous découvrent, surtout n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, surtout lâchez un petit pouce et un petit commentaire. Merci. Alors bonjour ma belle. Bonjour. Comment tu vas? Bien, bien, et vous? Ah, si tu vas bien, tout le monde va bien. Merci. Alors, j'ai une petite question pour toi. Tu es prête? Oui, oui. D'accord. D'après toi, d'abord, est-ce que tu es célibataire ou tu es en couple? Je suis en couple. Oh, d'accord, ça tombe encore tellement bien. Alors, entre toi et ton mec, qui est plus résistant? Résistant comment? Ah, bah, tu vas nous dire. Je ne sais pas, résistant papa, toi comment? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Réfléchis. Je sais pas. Attends, dans quel sens? Le sens que tu voudras, tu prendras, non, on la prendra également. Bon, je vais dire que c'est lui. Il est plus résistant? Ouais, on peut dire. Dans quoi, en fait? Bon, je vais dire que quand je parle de résistant, je vais dire un peu patient, non, en fait. Ah bon? Maintenant, là, les choses que vous faites là, qui est plus résistant, en fait? Ah non, on ne fait pas les choses. Non, bon, tu pensais à quoi quand j'ai dit faire les choses? Comme sport, dans votre sport des blancs que vous aimez souvent dire. Ouais, c'est quoi précisément le sport des blancs, s'il te plaît? Ouais. Bon, le sport des blancs, je vais dire ça comment? Bon, quand je parle de sport des blancs, peut-être des rapports sexuels au mariage. Oh, d'accord. Donc, ok, je comprends. Toi, tu n'es pas encore là. Tu n'es pas encore dans ça. Vous êtes encore pour l'instant dans oui. Les préparations, en fait. Voilà. D'accord, merci. Mais dans tous les autres cas, il est plus résistant. Oui, oui. D'accord. Ok, merci. Hein. De rien. Bonjour. Bonjour. Ouais, moi, je m'appelle Just B des Relous 237. Et toi? Moi, c'est Alex Brunel 237. C'est la famille. Je suis photocopieur professionnel situé en face de l'entrée des étudiants à l'université Ange Raphaël, l'université de Douala, campus Ange Raphaël. Tu es en couple, je suppose? Ouais, bon, vous savez, chez nous au Cameroun, on n'a pas besoin de passer devant l'église ou à la mairie pour être en couple. Je suis en couple. D'accord. Attends, entre l'homme et la femme, qui est plus résistant? Résistant, ça dépend. Le mot résistant est polysémique, hein. Ça dépend. Si vous parlez de résistance lithique, oui. Ou si vous parlez de résistance de guerre, ou si vous parlez de résistance physique, je sais pas. On va aller dans ton premier propos, dans le même sens que toi, ok? Entre ta meuf et toi, qui est plus résistant? Ah, gars, y'a pas match. Flamme sa poitrine, dans le téléphone, je compte. Parce que de la drague à l'enceintement, c'est l'homme qui souffre. Donc je dirais que pour un homme qui a eu à courtiser une fille, réussir à l'avoir dans son lit, jusqu'à peut-être à la limite lui faire un enfant, je ne peux pas comparer sa résistance à celle de la femme qui n'a qu'à se coucher et encaisser. Donc pour moi, c'est l'homme qui est résistant du début jusqu'à la fin. Françoise, avec ton gars, n'est-ce pas? Dis-moi, c'est qui le plus résistant? C'est mon gars. Le plus résistant comment? Résistant comment? Par rapport à ce que tu penses? Ah, c'est que c'est un homme, non? Il doit être résistant, fort, courageux, tout et tout, comme c'est pas trop. La femme n'a pas de résistance aussi? Ah, je n'en sais pas trop. Hein. S'il va aller dans le même sens que toi, tu me dis qu'il n'y a pas les femmes qui peuvent être dessus? Bon, là, ça dépend. Moi, quand je fais l'amour, je fais ça de manière masculine. Ça veut dire que je domine ma partenaire et laisser ma partenaire grimper sur moi, sauf si c'est peut-être pour une position particulière. Mais de là à dire que peut-être c'est la femme qui sera au-dessus de moi, du début jusqu'à la fin, non, je ne pense pas. Là, elle domine ma masculinité et je n'accepte pas ça. D'accord. Non, d'après toi, c'est l'homme qui est le plus résistant. Ok, merci beaucoup. Hein. De rien, de rien. C'était un réel plaisir de causer avec toi. Mais autant pour moi aussi. Alors bonjour ma belle. Bonjour. Moi c'est Just B des Relous 237 et toi? Pamela. Pamela, très joli prénom, j'adore les couleurs que tu as sur toi. Merci. Alors en passant d'abord, tu es célibataire ou tu es mariée? Célibataire. Ok, elle est célibataire. Tu as le cœur à prendre? Non.
Elle est célibataire, mais elle n'a pas le cœur à prendre. Ok. La question, c'est la suivante, n'est-ce pas? À ton avis, entre l'homme et la femme, qui est le plus résistant? L'homme. Résistant, pourquoi? Déjà, l'homme est plus fort que la femme. Donc, moi, c'est l'homme. Donc, c'est parce qu'il est plus fort que la femme qu'il est plus résistant que la femme? Oui, résistant sur quoi? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Donc maintenant, dis-nous, non, résistant, entre ton gars et toi, non, quand tu es avec ton gars là, non, vous vous connaissez là, qui est plus résistant? C'est mon gars. Ton gars. Parce qu'il est, bon, il est physiquement fort. Dans tous les plans, ton gars est plus résistant que toi? Oui, il est. Il n'y a pas un endroit où tu sais que tu le bats en résistance? Il n'y a pas. Entre l'homme et la femme là, n'est-ce pas, hein? Qui est le plus résistant? Dis-nous là, oui. C'est pas l'homme. L'homme est plus résistant que la femme? Oui. D'accord. Et maintenant, dans le domaine du petit jardin, tu vois un peu là, non? Qui est plus fort? Dans le domaine? Le jardin secret entre vous deux là. Entre lui et toi, qui est plus fort? C'est l'homme. Apprenez à vous laver. C'est la femme la plus résistante. Ah bon, hein? Okay. C'est ce que tu penses? D'accord, merci beaucoup. Hein. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Pour ceux qui nous découvrent comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et surtout lâchez-nous un petit commentaire. Et n'oubliez pas le petit bouton bleu. Merci.